Bonjour, je, je vous propose aujourd'hui de découvrir une rapide démonstration vidéo du thème Access Press Route Pro, qui est donc la version premium euh, du thème Access Press Route euh, Lite qui est gratuit. Euh, donc euh, comme vous pouvez le voir, ce thème euh, débute déjà par un, un slider. Alors vous avez au choix euh, soit un slider on va dire traditionnel, un diaporama. Euh, basique mais qui est déjà pas mal moi personnellement je me sers de celui là ou alors vous avez même euh, Revolution Slider qui est la Rolls Royce des euh, diaporamas WordPress qui est compris dans le thème alors il faut savoir cependant que euh, Revolution Slider pour avoir les mises à jour il vous faudra euh, par la suite acheter une licence alors ça va pas vous ruiner il me semble que c'est 25 dollars euh, mais bon voilà il faut le savoir donc euh, par contre si vous ne vous en servez pas surtout ne, ne l'activez pas euh, comme ça ça vous évitera euh, ben d'avoir de, 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 des, des éventuelles failles de sécurité ou autre. Donc cet aparté sur le diaporama fait, on va pouvoir poursuivre sur la présentation de, de ce thème qui est relativement sympa, euh, notamment pour présenter euh, une entreprise, des services ou autres, puisque vous voyez qu'après le diaporama, euh, voilà, vous avez la possibilité de, de présenter les services. Alors ce qui est bien fait, c'est qu'en fait, euh, les, des, les services ici, en fait, ce sont un résumé de pages que vous allez créer pour chacun de vos services. Donc en fait, si on clique dessus, euh, bon là, on ne voit pas forcément, si, on va arriver sur la page complète du, du service correspondant. Bon, visiblement, mon euh, internet rame un peu, je suis désolé. Ah, qu'est-ce qui se passe? Bon, ben c'est tout, on va laisser tomber. Ah, si, le voilà. Donc, vous voyez là, vous avez votre page de détails, de services, et en fait, c'est un résumé du texte là qui est repris ainsi que l'image. Si on retourne à la page d'accueil. Dieu merci, c'est plus rapide. Donc, vous voyez, on retrouve donc, le, le résumé et l'image. Donc, euh, ensuite, vous avez un appel à l'action ici. Donc, vous pouvez tout changer, hein, le titre, le texte, euh, le bino. Ensuite, euh, les fonctionnalités ou les savoir-faire, on va dire. Donc avec euh, des icônes, un titre, euh, du texte. Là pareil, vous pouvez relier à un article ou une page. Euh, donc ça, c'est le même principe que, que, que les services. Vous avez donc, si vous utilisez la partie blog, euh, la possibilité donc de mettre des, euh, des résumés d'articles de blog avec euh, l'image. Euh, vous pouvez paramétrer le nombre aussi. Ce sera relativement sympathique. Ensuite, ici vous pouvez mettre en place un portfolio. Avec la, la fonctionnalité portfolio de, de WordPress. Ici, euh, présentez votre euh, votre équipe, votre staff, avec euh, vous voyez la petite petite flèche qui correspond à la personne avec le, le texte. Et enfin donc une carte de géolocalisation. Ça, je trouve que c'est quand même euh, sympa pour euh, pour tout site professionnel ou où on sait que bah, le, le client potentiel aime bien pouvoir localiser euh, le professionnel auquel il va faire appel. Donc plus euh, plus vous mettez ça en avant, plus euh, plus euh, bah, vous mettrez de chance de votre côté que, 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 que les clients potentiels sonnent à votre porte plutôt qu'à celui du voisin. Et ce que j'aime bien aussi, toujours dans le même état d'esprit, c'est que vous voyez ici, vous avez donc une petite bande en sur impression où vous pouvez mettre votre numéro de téléphone, votre adresse mail. Donc l'adresse de votre site, ça c'est moins grave, puisque s'ils sont déjà euh, s'ils sont déjà sur le site, euh, bah ils l'ont hein, l'adresse, puisque... Là ici, et euh, ensuite, euh, donc là, ça doit être l'adresse. La, voilà. Donc ça, c'est sympa aussi, hein, puisque moi, je conseille toujours à mes clients de, de mettre euh, euh, la façon de la plus visible possible numéro de téléphone et éventuellement adresse. Donc ça, c'est euh, franchement, moi, c'est des points qui, m qui sont très très positifs sur ce thème. Ainsi que vous voyez ici le, le bouton retour vers le haut. Voilà. Après, euh, bon, on va pas faire toutes les pages, mais vous voyez que vous avez plusieurs mises en page possibles. Donc avec la barre latérale à droite, la barre latérale à gauche, double barre latérale. Ça c'est un peu une particularité de ce thème-là, puisque euh, normalement les thèmes vous proposent soit à droite, soit à gauche, mais pas les deux. Euh, alors la double barre latérale, c'est vrai que c'était à la mode. Euh, il y a quelques années en arrière, c'était plus à la mode, mais malgré tout, euh, maintenant avec les les thèmes plein de largeur comme comme celui-ci, euh, moi je trouve que c'est pas plus mal, euh, notamment pour la partie blog, ça vous évite d'avoir des gros pavés euh, et euh, ça vous permet aussi de pouvoir mettre euh, des informations utiles. Ce que j'apprécie aussi sur ce, ce thème, comme vous pouvez voir ici, c'est le le widget euh, de d'informations de contact où on va retrouver toujours euh, bah, la possibilité de mettre votre numéro de téléphone, votre adresse mail, l'adresse de votre site, votre adresse physique et même vos horaires d'ouverture. Ça franchement, euh, si vous utilisez ce thème-là ou un autre thème qui a ce genre de fonctionnalité, euh, je vous invite à... Euh, à remplir les, les champs euh, correspondants euh, afin que ces informations-là s'affichent parce que encore une fois euh, plus les gens trouveront facilement euh, ces informations-là voire même sans les chercher euh, plus vous aurez de chance qu'ils vous contactent vous plutôt que votre euh, concurrent qui verra pas l'utilité d'afficher ces informations-là euh, publiquement voire même qui cherchera à les, à les cacher voilà donc euh, ça c'est très intéressant. Ensuite qu'est-ce qu'on a donc les différentes mises en page de blog. Bon ça on va passer dessus. Ce qui me semble plus intéressant c'est les, les short codes intégrés. Donc le call to action on l'a déjà vu mais on va refaire un petit tour dessus puisque vous voyez qu'on peut on peut avoir plusieurs plusieurs façons de le faire. Voilà, bon, il y a rien de bien sorcier, mais bon, faut, faut savoir que ça existe. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir euh, Donc la, la disposition en grille. Donc là, vous, vous avez donc là ces différentes colonnes. Bon, elles sont pas foulées, hein, sur, sur les exemples. Bon, vous voyez vous pouvez faire des colonnes de différentes largeurs dans une même ligne. Ça pose pas de problème. Donc ça, ça peut être intéressant aussi pour la pour la mise en page. Ça peut en intéresser plus d'un. Donc les euh, styles de liste. Donc vous voyez que ça se borne pas au vulgaire point ou, ou numéro pour les listes. Hein, vous pouvez mettre ce genre d'icône à la place. Voilà. Bon, je, je vous laisserai voir vous de votre côté. Hein. Voilà, on a quand même plusieurs possibilités. Qu'est-ce qu'on a après Alors oui, au niveau diaporama. Donc vous voyez que... Euh, vous avez donc le diaporama avec légende ou sans légende, euh, en demi-largeur ou en pleine largeur. Voilà, donc ça c'est pour le diaporama euh, basique, celui euh, celui intégré dans le thème. Euh, je ne parle pas de Revolution Slider. Revolution Slider, en lui c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, la Rolls-Royce des... Du diaporama. Euh, la seule chose, c'est que faut avoir l'utilité de, de toutes ces fonctionnalités. Euh, si un diaporama basique vous suffit, comme comme celui-ci, avec simplement l'image, les images qui tournent et une éventuelle légende, euh, sincèrement, n'allez pas actionner Revolution Slider. Vous verrez, c'est un peu une usine à gaz. Euh, et il euh, faut savoir déjà. Enfin, euh, faut prendre le temps d'apprendre à la à l'utiliser donc si c'est juste pour faire un petit diaporama euh, présenter deux trois choses que vous faites c'est pas forcément utile vous risquez de vous arracher les cheveux sachez malgré tout que euh, bah, si vous décidez de l'utiliser euh, vous pouvez vous faciliter la tâche en euh, achetant euh, également la traduction en français de revolution slider que vous allez pouvoir trouver sur mon site wp-traduction.com voilà. Donc euh, on va continuer maintenant avec la page contact. Voilà. Donc la page contact, on retrouve toujours notre euh, notre petit encart euh, avec le numéro de téléphone, adresse euh, mail, euh, adresse du site, adresse euh, postale euh, ou physique, enfin peu importe, les horaires, donc la carte de géolocalisation votre formulaire de contact en dessous voilà c'est une page bon de, de contact on va dire assez traditionnelle euh, rien de bien particulier vous voyez qu'on peut mettre aussi un menu euh, dans le bas ça peut être euh, sympa aussi euh, et euh, le menu du haut comme vous pouvez le remarquer voilà il reste euh, il reste là la barre en haut ça ça paraît ça fait partie des choses que moi personnellement j'apprécie euh, parce que quand vous vous retrouvez sur des pages où vous scrollez 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 et que vous êtes obligé de remonter tout en haut pour voir le menu euh, c'est pas c'est pas l'idéal même si euh, vous allez me dire on a le, le bouton retour vers le haut automatique qui est tout de même sympa des fois, on ne sait plus ce qu'il y a dans le menu. Et euh, ben, en ayant le menu ici, on peut s'apercevoir qu'on a peut-être déjà vu tout ce qu'il y avait à voir et que, euh, ben, voilà, c'est pas la peine de perdre notre temps à retourner en haut pour, pour comment je vais dire, euh, pour aller regarder le menu. Voilà. Donc euh, ben, après, donc au niveau des mises en page, que ce qu n'avait pas vu à lui la page d'erreur 404. Qui, qui n'a rien d'exceptionnel non plus, mais euh, c'est toujours mieux d'en avoir une. Euh, alors normalement, on peut la personnaliser. Ça, je vous laisserai aller voir dans, dans, dans l'administration du thème lorsque vous l'avez acheté. Euh, voilà. Donc, sinon, on va revenir vite fait à la page euh, page d'accueil. Donc, je ne sais pas si vous avez vu. Je suis allé un peu vite quand on clique. On peut avoir la page en façon mise en boîte. Personnellement, moi, je trouve que c'est plus trop au goût du jour. Hein. C'est un peu une présentation assez ancienne des thèmes. Bon, après, les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Donc, si jamais euh, vous, ça, ça vous convient, même que vous préférez ce type de mise en page plutôt que le, la pleine largeur, n'hésitez pas à le faire. Hein. Je vais pas, <laughs> je vais pas aller à votre rencontre à ce niveau-là. Euh, personnellement, je. Ça, ça changera rien pour moi euh, voilà bon sachez que tous ces éléments là en fait c'est euh, c'est fait par euh, enfin la page d'accueil est construite plutôt euh, via euh, une euh, une comment dire ça euh, en fait une, une, une fonctionnalité du thème on va appeler ça comme ça et en fait chaque élément euh, est éditable et euh, donc modifiable et surtout vous pouvez l'activer ou le désactiver c'est à dire que par exemple si vous voulez pas mettre de diaporama euh, sur votre page d'accueil il vous suffit de désactiver euh, le diaporama et vous n'en aurez pas euh, et ça c'est pareil pour tout donc c'est pareil pour les services si vous n'avez pas de de service à présenter ben ça sert à rien de, de mettre l'onglet donc vous pouvez le désactiver c'est pareil pour l'appel à l'action c'est pareil pour euh, vos compétences euh, pour euh, si vous n'utilisez pas la partie blog c'est pareil vous pouvez désactiver euh, l'affichage des derniers des derniers articles pardon euh, si comme moi vous êtes tout seul pas trop il euh, n'y a pas trop d'intérêt de présenter une équipe donc vous pouvez désactiver cette partie là euh, et la carte euh, idem par exemple euh, je, je, bon encore une fois, moi je vous conseille de la laisser, la carte. Cependant, je veux bien admettre que, euh, par exemple, bah, les personnes qui vont présenter un service en ligne, qui ne vont jamais recevoir nos clientèles chez eux, pourquoi pas désactiver la carte euh, Mais euh, n'oubliez pas que même si vous recevez jamais vos clients chez vous, enfin, chez vous ou à votre bureau, peu importe, euh, le fait qu'ils... Qui, qui puisse vous localiser, qui puisse avoir une adresse, ça peut les rassurer. Euh, donc même pour une boutique en ligne, même si les gens n'ont jamais l'intention de, de, de se rendre à vos bureaux, euh, le fait d'avoir une adresse et de pouvoir en plus la, la visualiser, ça va les rassurer, et inconsciemment, ils vont être plus enclins à, à acheter vos produits ou vos services. Donc euh, encore une fois, euh, moi, je vous invite à, à la laisser cette carte, à la laisser, à la remplir. Bon, après, je vous oblige pas, mais vous faites comme vous voulez. Voilà. En gros, on a fait le tour de, de ce thème. Donc, vous voyez que c'est pas un thème bling bling comme on peut trouver ailleurs euh, par contre euh, bah, il a quand même certaines fonctionnalités que je trouve intéressantes c'est un thème qui est relativement facile à paramétrer et à mettre en place euh, et surtout, euh, je vais terminer avec ma petite promotion, euh, puisque euh, je vous propose d'acheter la traduction en français du thème. Euh, donc toujours sur mon thème, euh, sur ma boutique en ligne, pardon, de traduction de thème et de plugin WordPress, euh, que vous trouverez l'adresse www.wp-traduction.com. Voilà. Eh bien écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine présentation de thème. Ciao, ciao